Chers amis, bonjour à tous et à toutes. C'est depuis mon appartement où je suis confinée depuis le 9 mars au soir, que je souhaite vous partager cette prière qu'une de mes confrères m'a envoyée, et qui m'a autorisée à vous la partager. Seigneur, en communion avec toute l'Église et le pape François, nous nous tournons vers toi. Aide-nous à faire que cette période de troubles et de confinement nous permette de redécouvrir la beauté des petites choses, des petites attentions envers nos proches, nos parents, nos amis, nos voisins, nos paroissiens. Avec l'aide de ton esprit, aide-nous à comprendre que dans ces petites choses, il y a notre trésor. Aide-nous à renouveler les gestes de tendresse, d'affection et de compassion pour rejoindre celles et ceux qui en ont le plus besoin. Nous te confions particulièrement les personnes malades, les malades du Covid-19 et les handicapés, et toutes celles pour qui cette période est source d'angoisse et de grande solitude. Nous te confions également tous ceux qui ont perdu un être cher, ainsi que toutes les personnes qui prennent soin des malades, au risque parfois de leur propre vie. Nous te confions enfin toutes celles et ceux qui travaillent aujourd'hui pour que nous puissions continuer à vivre au quotidien. Merci pour ces talents déployés et ces grands élans de générosité à travers le monde. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette vie que tu nous donnes de vivre en lien les uns avec les autres, avec l'aide de la Vierge Marie. Aide-nous à ne pas te perdre de vue et à cheminer ensemble vers la lumière de Pâques. Amen.